Eh bien, salut tout le monde les amis, c'est XD, comment allez-vous? Moi ça va super bien, mais alors, un truc de malade. J'ai enfin pu tester Need for Speed, le tout nouveau Need for Speed sur Xbox One. Je suis drôlement impressionné, donc voici la petite intro. Tout simplement, il va y avoir des cinématiques après. J'ai déjà joué, mais là apparemment, je vais recommencer une partie pour vous présenter un peu le début. Je dis plus rien. Je vais vous raconter pendant les temps de chargement. Hey mec, t'entends ça? Relax, ils sont super loin. Ouais mais je suis en conditionnel, je me casse. Mauviette. Hey tiens, il faut absolument que tu viennes mec. Il y aura les meilleurs et je te présenterai à mon pote Travis. Il a plusieurs caisses à refourguer mec, je te jure. Ce sera l'occasion de passer à une autre catégorie. Hey moi c'est Spike, on se voit là-bas, d'accord? Je sais déjà ce qui va se passer un peu au début du jeu, mais voilà, je me suis précipité à faire cette vidéo, à vrai dire. Donc, tout simplement, on va commencer le début, je vais vous présenter un peu le début tout, bon, pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu. Donc voilà, je suis avec ma Mustang. L'histoire, vous allez découvrir, en gros, là, on a fait le course avec quelqu'un, et puis on va le connaître au fur et à mesure, et puis voilà, au fur et à mesure, bah, ça va se développer, en gros, ça va être ça. Mais franchement, je suis vraiment bluffé, déjà, c'est les graphismes. Les graphismes, franchement, je le dis vraiment, les graphismes sont tout simplement magnifiques. Franchement, pour un jeu de Xbox One, bon, la Xbox One a fait, voilà, quand on regarde bien la route mouillée, quand on regarde bien, vraiment bien la route mouillée comme là, on voit quand même qu'ils ont vraiment assuré au niveau des graphes. Ouais, en fait, non. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, non, il faut aller par là. En gros, au niveau de la route mouillée, voilà, les graphismes sont tout simplement magnifiques entre deux. Et puis ça donne, pour un Xbox One, je trouve ça vraiment super beau. Franchement, je suis vraiment épaté. Alors j'ai hâte d'attendre la version PC que je vais également avoir l'année prochaine. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que je vais recommencer. Je vous expliquerai après. Car nous voici dans une nouvelle cinématique. Ah, la bonne musique. Donc là, dans la cinématique, vous allez déjà remarquer les icônes du jeu. Et au début, je ne l'ai pas remarqué, mais c'est après que j'ai remarqué qu'il y avait des icônes qu'on a déjà connues, il y a déjà dans le trailer de l'E3 d'ailleurs. Je vais vous le faire voir après. Ça va être après là, quelque part. Là, par exemple, lui là. Lui, c'est Miyorishi-san, un truc comme ça. Il y en a plein des icônes comme ça, comme je vous l'ai dit, j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais franchement, je les ai reconnus. Non, c'est lui, Miyorishi-san. Bah voilà, un gars pareil, il est connu aussi. Après, il en a plein d'autres, mais franchement, le jeu, il est assez prometteur. Et franchement, ouais, comme lui. Mais vraiment, il y a vraiment des icônes. Puis c'est vraiment bien foutu le jeu. Hein. Je vous dis vraiment, voilà, les deux personnes, bon, ça, on les connaît. Mais waouh, c'est. Je suis vraiment content d'y jouer là, vous pouvez pas savoir, enfin j'y ai déjà joué mais juste vous présenter, franchement c'est... Waouh. Ah voici Spike, le revoici. Je vais éviter de trop parler pour vous suivre un peu l'histoire. Pour ceux qui sont intéressés bien sûr. Ah, regardez qui voilà. Tu me présentes pas? Hey, ce mec vient de drifter sur 150 mètres sur une bretelle de l'i5 à hauteur de Turner, c'était malade. Oh, il en a laissé de la gomme, crois-moi. Ça devait envoyer. La dernière fois que Spike était autant à fond, c'était... Ah ben non, il est toujours comme ça. C'est pour ça que tu m'aimes. Robin, essaie d'être à la hauteur. T'en fais pas pour lui, c'est un bon. Et justement, je l'emmène voir Travis. Je vais lui demander de bouger quelques caisses pour qu'on puisse bosser. Allez, suis-moi. Salut, Amy. Alors voici, les nouveaux personnages qu'on va découvrir petit à petit. j'adore cette scène, c'est juste épique. Ah, vous voyez les trois voitures du... Alors ça, les trois voitures que vous voyez, c'est les trois voitures qu'on va voir, qu'on peut choisir au début du jeu. Et là, vous allez voir, je vais faire un peu une petite faveur. Vous allez voir après, c'est... Je pense que vous allez aimer. Bon. T'as l'air d'avoir tapé dans l'œil de Mister Rodeo. Carrément. C'est un bon, crois-moi. Tu te pointes au bon moment, toi. Il y a de super pilotes en ville qui ont envie de marquer l'histoire.
T'as un sacré bol, mon vieux. Les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour démarrer un projet. Ah, les projets. En gros, un projet, c'est un véhicule. Après, ce que j'ai compris, c'est un véhicule qu'on va pouvoir faire soi-même. Ça s'appelle les projets. De toute façon, la fille elle va nous expliquer après un peu près qu'elle avait déjà fait un projet. Je sais plus quand c'est après. Voilà. Alors voici tout simplement les trois voitures qu'on peut choisir. Je vais faire une petite faveur, vous allez dire je vais prendre la BRZ parce que voilà GT86 et BRZ bah c'est ma voiture favorite, mais malheureusement j'ai envie de prendre. Je la prendrai sur PC la BRZ. Je la prendrai sur PC, je vais prendre la Honda, je veux justement aussi essayer la Honda. Mais l'année prochaine, vous inquiétez pas, je vais prendre la BRZ dans Need for Speed. J'ai pris la Civic, c'est parce que j'hésitais pareil au début, mais je me suis dit, bah non, j'adore la BRZ, donc pourquoi je choisirais la Civic, vous allez dire. Mais non, c'est vrai que la BRZ, c'est vraiment la voiture, tout ce qui est GT86 et BRZ, c'est vraiment ma voiture préférée. Malheureusement, j'ai pris la Civic là, enfin malheureusement, pour changer un coup, à vrai dire, et l'année prochaine, bah, on prendra la BRZ. C'est ton père qui veut toujours, ouais. Arrête, c'est un cuir à plus de 1000 boules. C'est bien ce que je disais. Tu m'as mis de la graisse. Même au meilleur pilote de Californie, elle fait pas de cadeaux. Sa philosophie, c'est que c'est pas la peine d'essayer si t'as pas de blé. C'est très poétique. En même temps, c'est la vérité, donc. Alors, t'es prêt pour nos rendez-vous? Allez, suis-moi. On a pas mal de monde à te présenter, mon pote. Waouh, alors vous allez voir la Civic quand même. En fait, elles sont déjà modifiées de base les voitures, enfin pas forcément de performance. J'ai pas testé, j'ai d'ailleurs la Mustang, c'est celle ce que j'ai testé avec la BRZ que j'avais fait quelques temps avant. Voilà, je l'avais testé par l'IA Access, mais j'avais pas fait de vidéo dessus parce que bon voilà, j'avais pas trop envie, je voulais bien apprendre le jeu au début. Voilà, et là je suis un peu le début. Alors, elle est pas mal la Civic quand même, mais bon, elle a quand même un look que j'aime bien. Ah là là, donc là on doit arriver premier. Ah ouais, alors elle fait un super beau bruit. Bon, en même temps, c'est une Civic, c'est la base quoi. Mais voilà, sinon au niveau accélération, c'est vrai que celle-là j'ai toujours pas prise, mais c'est vrai qu'elle est pas si top que ça. Elle est pas si top que ça en accélération. Bon, après, c'est une Civic, comme je dis, elle est de base. Normalement, on va vérifier après façon. Mais voilà, j'avais envie de prendre la Civic un coup, et puis ça fait toujours plaisir de reprendre une Civic. Et d'ailleurs, je peux ajouter un petit point, c'est à l'arrière, pour ceux qui connaissent le youtubeur Black Panther, regardez la malle de coffre, en gros au coffre, il y a son logo. Et ça franchement, c'est Batalalo qui me l'a dit, franchement je l'avais pas remarqué au début. Ah, puis graphiquement, regardez, c'est magnifique quoi. Ah, il a une M2 lui, il a une M2. Non, franchement, graphiquement, c'est une beauté ce jeu. C'est vraiment une beauté. Non. Oh merde, en fait, je suis dernier, je vais devoir payer. Enfin, payer, qu'est-ce que je raconte? Je suis perdu. Je vais vous raconter après, de toute façon. Et là vraiment c'est comme ça qu'on va rencontrer plusieurs personnes petit à petit. Et franchement c'est vraiment c'est incroyable parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu Need for Speed. Enfin, si, on a eu, je veux dire nos limites, mais bon c'est sur j'avais fait une vidéo dessus pareil, mais bon c'est sur portable. Un vrai Need for Speed quoi, en gros c'est ça manquait, franchement ça manquait et ça va faire du bien. Par contre je vais pas, bon je vais quand même vous laisser écouter. Emmanuel, ça fait penser à Battle, appelle-moi Manu, voilà, c'est exactement comme Battle, ça me fait marrer, ça me fait rire, ça. Voilà. Alors regardez la MX5 là, la Massio, oh elle est magnifique celle-là. Ça c'est vraiment une voiture que j'adore énormément aussi. Vraiment une voiture que j'aime bien.
Mais voilà, il y a vraiment des voitures qui me plaisent dans ce Need for Speed. Et bon, comme vous savez, j'ai pas la Xbox One, je suis obligé d'aller chez quelqu'un pour y jouer, voilà. Mais franchement, les gars, mais c'est dès qu'il va sortir sur PC, je vais faire la blinde de vidéo dessus. Donc là, je vais pas faire la blinde de vidéo dessus par respect. Déjà, j'ai fait souvent des vidéos sur Forza, tout ça. Enfin, là, c'est pas trop le sujet. Ah voilà, ah ouais, c'est la scène du restaurant, il faut aller le premier, sinon on paye l'addition. Allez, c'est parti mon kiki. Mais roule pas vite, hein. Hop, on le double, on les double. Hop là. Hop, et il manque plus que Spike en face. Il a une M2, par contre, lui, il a une belle M2. C'est vraiment une bonne voiture. Enfin, c'est sûr qu'avec une Civic, alors qu'elle est plus puissante que largement que ma Civic, hein, c'est sûr et certain. Ah, franchement, j'ai vraiment hâte qu'il sorte aussi sur PC. Vous savez très bien que je suis un joueur PC, que c'est sûr que je vais prendre sur PC. Hein. C'est depuis le début, je dis ça, mais c'est vrai que sur One, il est déjà pas mal. Il est vraiment pas mal. Il est très plaisant sur One. Hein. Graphiquement, c'est vrai qu'il est hyper beau sur One. Donc d'un côté, graphiquement, au niveau graphisme, ça va être équivalent à mon PC actuel. Enfin, ça dépend si je le changerai. Je vous le dirai plus tard dans une autre vidéo éventuellement. Si la scène, enfin la cinématique dans l'instant. $5, hein? C'est un resto. $5, c'est le minimum. Et pas de dessert, mec. Je suis pressé de faire une course ce soir. J'aurai l'adresse d'une seconde à l'autre. Oh, pour moi, je pense que ça va se finir en boîte. T'as qu'à venir? Tu rigoles? La soirée fait que commencer, les gars. Et pour moi, c'est course. Moi, je vais rentrer à l'atelier. Tu veux venir voir? Je te ferai un petit peu de place si tu veux. Oh, oh, elle va s'occuper de toi. Voilà. Ouais, c'est ça, comme je suis jaloux des gens qui roulent à 90. Enfin, je trouve quand même un petit point, c'est que les voix françaises elles sont quand même pas mal. Parce qu'à la base, ce jeu est. C'est des voix originales, donc c'est pas français, mais là les voix françaises elles sont pas mal, je trouve. Franchement, pareil, je suis vachement étonné sur ça. Avec le destin, mon vieux. Ce soir, ça va choper. Eh, tu nous feras voir ce que t'as dans le ventre, ok? Ouais, mec. Ah, c'est. Donc là, ça va devenir plus sérieux, franchement. C'est là qu'on va commencer à bien s'occuper de sa voiture, entre guillemets, voilà. Ça, c'est un truc que j'adore faire, façon de base, donc voilà. Ça, c'est un truc que j'aime pas. Alors, je. Hop. Ouais, bon, j'avais déjà vu, bon, vous avez dû le voir pendant que j'étais en train. Alors là, c'est voilà, c'est les appels. Vous savez pas, on peut appeler éventuellement et recevoir des appels. En fait, elle est bousillée un peu ma caisse quand j'y pense. Hein. Elle a une bosse sur la portière de l'autre côté. Non, ce côté-là, il y a rien, non. Alors, répondez au côté. Ça va être trop fait de répondre à consulter vos messages plus tard. Il écoute un message. Alors, consultez. Ouais, bon, bah. On va aller au garage. On va suivre l'itinéraire. Donc, c'est vrai que la map, on en a pas parlé, j'en ai pas parlé pour l'instant, elle est vraiment vaste. Alors là, je pense que je vais faire une vidéo éventuellement dessus, mais pas tout de suite. Une vidéo sur la map, parce que franchement, il y a plein de choses. C'est une map que j'aime bien, elle est vraiment unique, ça fait un moment qu'on n'a pas eu une map comme ça. Bien aspect ville. La dernière fois, bon bah, dans Rival, il n'y avait pas. Dans Rival, c'était surtout un peu d'air de campagne désert, et c'était vraiment le vide, je trouvais. Mais là, franchement... ça faisait un moment, hein, 2000 euros, bah non, c'est ça, c'est mais vraiment ce qui se passe vraiment dans une ville. Message, ceci, c'est autant au garage. Ouais, ça fait, je sais plus depuis quel Need for Speed on n'a pas eu cet aspect de ville. Most Wanted, voilà, donc ça date d'il y a. Oh putain, il y a déjà 3 ans, c'est incroyable. Ça date d'il y a déjà 3 ans, Most Wanted. Bon, bref, c'est pas le sujet. Alors, franchement, la Civic, elle est pas mal aussi, mais vous voyez, la voiture que je vous conseille vraiment, c'est pas la Civic, franchement, c'est la BRZ. Voilà, c'est vraiment la bagnole que je prendrais en priorité. C'est vraiment la. Parce que là, je voulais essayer la Civic pour vous, mais bon, franchement, l'année prochaine, je vous jurerai certain, je vais prendre la BRZ, mais c'est vraiment une putain de caisse, c'est vraiment ma voiture préférée. Vous le savez, de toute façon, c'est. C'est. Puis voilà, franchement, j'en ai plus les mots. Ce Need for Speed est tout simplement fabuleux, franchement, je vous le dis vraiment. Ah ouais, la musique, c'est vrai, je vois le truc en haut, la musique, mais. La musique, j'en ai pas parlé, mais la musique est extrêmement bien, franchement. La mu
C'est vrai, tout ce qui est musique, c'est pareil, ils ont fait un bon choix. Ça se voit qu'ils ont travaillé pendant 2 ans sur le jeu. D'ailleurs, je préfère avoir un jeu comme ça et peut-être pas y jouer, voilà. Parce que déjà, graphiquement, mais regardez, il est flat, mais je suis étonné, quoi. Je suis vraiment étonné. Ah, je suis un peu perdu, là. Ouais, par le... ouais, je dis merde, je suis un peu perdu. Non, franchement, graphiquement, sur Xbox One, c'est une tuerie. Il tourne... Par contre, il tourne pas à 60 FPS. Je vois pas... Alors, du coup, la vidéo sort en 30 FPS. D'ailleurs, c'est un petit point que je voulais dire aussi. C'est vrai que, bon, après tout, il est quand même beau, le jeu, donc on n'a pas à se plaindre. Voilà. Pourquoi je... Ah ouais, merde, je suis con. Hop. Ouais, bah là, en face, et puis... Hop là, entrer dans le garage. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Elle a quand même un petit look, ma Civic, que j'aime bien. C'est un look que j'aime bien. Mais bon, c'est. Mais voilà, je l'achèterai peut-être après la BRZ l'année prochaine. Voilà, mais. En fait, je suis pressé d'être 2016, hein, vous pouvez pas savoir. Oh putain. Oh bah ça, même en même temps mécanicien, je sais que ça c'est vrai, donc les outils tu les remets à sa place, c'est le reste de l'atelier pour moi. Ouais. Ah, le dernier caprice, ouais, elle va parler de projet après, bah, je crois que c'est là, ouais. Ça c'est son dernier projet, c'est vraiment le projet où elle s'attentionne le plus. Ah c'est un beau bruit. Hein. Le bruit des voitures, je trouve qu'elle est pas en... ils sont pas en coordination avec le jeu, je sais pas, le bruit de la bagnole, on dirait pas que la voiture elle démarre normalement quoi, on dirait pas qu'elle est dans un garage, mais bon. C'est bizarre. Ah, c'est une Civia en plus, ça j'ai oublié de préciser. Moi, c'est une voiture que j'aime bien aussi, ça. C'est vraiment une bonne voiture. Je dois voir Spike. Ah, Travis a bougé des caisses pour te faire un peu de place, alors installe-toi parce que je peux t'assurer que demain, il y en aura partout. Tu devrais réfléchir à ce que tu vas faire, tu vois. Planifier ton projet. À planifier ton projet, en gros c'est une histoire de projet tout ça, c'est ça que j'ai pas précisé à 100%, mais bon. Hop. Ah ça fait déjà 17 minutes, ah, j'adore son regard, je sais pas pourquoi, j'ai toujours kiffé ce retard. Remets-le à sa place, les roues, je sais pas, je kiffe ce regard, c'est bon. Ah, notre. Alors, vous avez vu d'ailleurs, on passe de cinématique à direct la bagnole, et ça, franchement, graphiquement, c'est magnifique. Et ça, alors, ça, je sais pas comment ils ont fait. Alors, l'histoire, mais franchement, je sais pas comment ils ont fait un truc pareil. Ah, succès débrouillé. Mais franchement, je sais pas comment ils ont fait. Donc là, on va pouvoir modifier notre voiture. Alors là, j'ai découvert un peu. Ah, en plus, la musique, franchement, j'adore. On peut faire des réglages, on peut vraiment tout faire, comme dans les trailers, tout ça. Mais bon, il y a vraiment la blinde de choses à changer. Vraiment, on peut changer les capots, mais vraiment tout. Et encore, c'est là, c'est pas vraiment la seule bagnole. Hein. J'ai vérifié, c'est vraiment pas la seule bagnole. On peut vraiment tout modifier. Par exemple, là, je peux mettre un capot en carbone. Voilà, ça c'est fait. Les feux, bon bah voilà. Après, il faut avoir un certain niveau. Bon, ça, les niveaux, ça c'est comme Need for Speed No Limit. Je sais, ça a aucun rapport, mais c'est à peu près la même chose. On débloque des pièces. Bon, tu dois débloquer ça. Bah, tu dois avoir tel niveau. Mais voilà, donc on peut changer les jantes, alors vraiment tout, la peinture des jantes, la peinture secondaire des jantes, c'est juste énorme, franchement, c'est vraiment bien. Voilà les jantes, hein. Je sais pas laquelle choisir, je sais vraiment pas lesquelles choisir. Enfin bref, sur ce bon, c'est... J'ai vraiment plus rien d'autre à dire, enfin pour l'instant, voilà, bon, je vais pas y jouer à 100% non plus. Enfin bref, en espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo, enfin cette petite vidéo, elle a duré quand même 20 minutes sur Need for Speed, je vais y arriver, sur Need for Speed, bah nouveau Need for Speed tout simplement, sur ce, bah tout simplement, merci d'avoir regardé ça, c'est tout un plaisir pour moi autant d'y avoir joué, franchement, je suis content, et d'ailleurs... en même temps là je parle, c'est vrai j'ai pas oublié de préciser, on peut changer les jantes, genre on peut changer les jantes arrière et les jantes avant, ça, on peut changer les jantes différentes, c'est vrai que j'ai pas, mais c'est vrai on l'a déjà vu dans le trailer, mais c'est vrai que ça je l'ai pas précisé. Bon bref, bah voilà ce que je fais en même temps, enfin bref, voilà, bon bah,
Enfin bref, voilà, je vous montre un peu vraiment ce qu'on peut personnaliser. On peut même personnaliser les ailes arrière, il y a vraiment un max de choix. Enfin bref, sur ce, bah, mets un like si ça t'a plu, patati patata. Voilà, on peut changer la vitre, tout ça. Les vitres, excusez-moi. Donc n'oublie pas de mettre un pouce bleu, voilà, et mettre un commentaire, parce que je suis sûr que vous êtes la blinde à poser plein de questions. C'est sûr et certain. D'ailleurs, regardez, les carreaux sont sales, c'est avec les essuie-glaces et tout, c'est vraiment magnifique, voilà. Je suis vraiment content. D'ailleurs, là, les trucs performance. Enfin bref, merci d'avoir regardé la vidéo, tout simplement je dis ciao tout le monde, et puis ces gens, c'était XD pour vous servir comme d'habitude, et je vous dis tout simplement, tchuss! Alors, système Nitro, on peut ajouter le Nitro, tiens. Je sais pas si j'achète. Allez, pourquoi pas se faire chier franchement. Oh là là, ah, j'adore ça.